Une partie sur sur Battlefield dans le petit canon de notre char oui. Parfait, un petit canon de notre char fastoche en match à mort. Je vais voir s'il y a des gens en ligne, je sais pas s'il y a Abba, quelque chose sale dans tes dangers. J'espère juste que c'est mon iPod qui va tenir en fait, parce que les 30 minutes les 30 minutes d'enregistrement, c'est pas tous les... c'est pas tout, c'est la... Il reste pas, mais... Voilà, bon alors, par contre, je me sentirais un peu dégoûté si les deux vidéos que je fais sont moins vides. Si dans les deux, on entend ni ma voix, ni rien, ce sera un peu fou, je pense pas. Allez, maintenant. Yo, salut à toi mon cher concitoyen. Voilà. Alors, c'est bien que d'habitude, j'aurais quelque chose à vous demander. C'est le moins que je puisse faire, puisque vous m'avez déjà aidé à... D'ailleurs, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ceux qui ont pu jouer à Skyrim, la quête d'Hermaeus Mora, ceux qui ont pu y jouer, c'est... Enfin, pas celles qui sont Dragonborn, bien sûr, celles qui sont... parce que dans Dragonborn, donc, le dieu qui prévit, enfin, qui fait le monde dans lequel on va toujours, c'est Hermaeus Mora, ça on va se le rendre compte dès le début du Dragonborn, donc je vous en prie rien. Voilà. C'est comme vous dire que vous êtes l'enfant du dragon. Bon, voilà. Et donc, Hermaeus Mora, quand on récupère Logma Infinium, il a un dialogue ultra long avec une voix insupportable, enfin, pff. Fin de l'hiver qui met mon pays, le fond pouvoir de broyer qui compte, c'est pour vous. Ouais. Ouais, c'est parfait, ça. Oh, si j'étais en possession de tous mes moyens, vous l'accorder serait un jeu d'enfant. Alors, jamais fait, je sais pas du tout ce qu'il nous donne. Sûrement un vieux casque, moi aussi, je me rappelle, c'est un casque. Je mourrais à bord de ciel. Je suis même pas sûr, donc. Même si je répugne à le dire, là, votre puissance est égale à la mienne. Mais uniquement parce que la moitié de mon pouvoir repose sur ce chien. Ouais, ça va, je vois très bien que le jeu n'influe pas sur ce qu'entend mon iPod, mais je sais pas du tout si ça sort de mon casque Marshall ou si ça sort
pas de l'iPod en fait, je vois pas du tout. Alors que sur Skype, il existe sur Skype, c'est sort de micro mais bon, du micro, le podcast marche suffisamment pour que je m'amuse avec. Oui. Ah, une hache. Ah, ça m'intéresse. Vous aurez ma bénédiction. Au début, je jouais beaucoup à la hache. Une hache des draps, une hache de dragon. Une fois que j'avais téléchargé Dungard, je vais rien vous apprendre. Si je me souviens bien, elle se trouve dans la tanière de Imrock. Allez. Barbas peut vous y conduire. Ce chien pourrait même retrouver sa place à mes côtés. Merci. Relâchant. Ah, je touche à la. Vous savez quoi? Je vais dire fuck ass des draps. C'est-à-dire que je vais récupérer sa hache. Je vais me la jouer en mode. Bah, au début, je voulais pas. C'est comme quand on fait la guerre, enfin la quête de la guerre, où il nous demande d'aller chercher la couronne d'os. Bah, au début, je voulais pas lui rendre. Sauf qu'en fait, on est un peu obligé de lui rendre. C'est pas grave. C'est pas grave. J'espère qu'on la récupérera, en plus elle peut ni se faire améliorer, ni se faire enchanter. D'ailleurs il y a un bug avec la couronne d'os, hein, si vous voulez vous le gagnez. Je crois que moi j'ai gagné 76 avec, mais j'ai amélioré énormément mon armure. Lourde, je sais même pas si c'est lourde, vous voyez. Mais si vous voulez, moi je peux améliorer de 76 en fait, et que vous voulez garder votre couronne. Moi, c'est la couronne d'Aetherium, qui est une quête qui se fait avec le DLC de Dungard. Vous pouvez, en fait il y a un bug qui permet de mettre la couronne, en fait, sous, c'est un petit bug, je sais même pas si c'est même pas un glitch, c'est même pas une manipulation en fait. C'est du genre, vous gardez votre couronne et vous mettez la couronne là. J'ai vraiment du mal à commenter en même temps que je joue là. J'étais mieux dans ma chambre avec mes gameplays commentés de Call of, mais ce jeu est terminé pour moi et j'en suis désolé. Si des gens voudraient me voir, je ferai peut-être des vidéos, mais je ferai pas de gameplay, en plus je suis mauvais. Je joue 100% fusil mitrailleur, un petit peu sniper, mais bon. Voilà, donc je suis mauvais sur ce jeu. J'ai commencé sur MW3, j'avais, je sais pas, 6 jours de jeu, gros geek dessus. Donc, en fait, ce jeu était vraiment moisi. J'ai aucune honte à le dire, ce jeu était moisi. Ouais. Je vais essayer de sortir de là. Ça fait déjà 20. Bah, pour vous, ça fait 5 minutes quoi. Bon, on est déjà un épisode un peu mieux que le deuxième. Et puis, vous savez quoi, en sortant d'ici, je vais changer de. Vous savez quoi, je vais finir ces deux épisodes. Et puis, la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma maison, que je vais prendre mon équipement pour me battre à deux mains. Ça sera beaucoup mieux. Bon, les dégâts sont largement moins grands, mais j'ai trouvé une super hache, un super espadon, je veux dire, que je vous montrerai. Donc, ça sera sûrement dans l'épisode 3. Comme les quêtes des draps sont jamais courtes, mais bon, je vais progresser. Je joue avec une qualité dans mon écran, c'est insupportable. Je pense que je vais pas pouvoir jouer à Battlefield comme ça. Impossible. Alors. On va commencer à y aller. Ouais, je suis chagrin pour la suite. Bon. Ça, c'est quoi déjà? Ouais, je trouve que c'est un truc à conquérir. Dieu, mais qu'est-ce que c'est moche? Je peux pas jouer comme ça là. Allez-moi ça, là. J'ai l'impression d'être sur une déesse. Mais... Ah, c'est des Talmor. Excusez-moi les gens, mais ça change tout. C'est pas ça que je voulais faire, mais. Voilà. Ah ouais, bah non, c'est des archers. Mais je m'en fous, je vais débuter. Bon, lui, il faut que je le pille.
pas trop mauvais à l'arc. Même si là je viens d'en... Putain. Mais... Enfin, pas quelque chose de quoi là. C'est facile, vous allez me dire, mais en même temps c'était une vieille merde. J'ai du marteau du bois, pour ça, je me gêner. Ah, toi t'es là-bas. Ah, bouge pas, bouge pas. Oh là là. Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours obligés de bouger au mauvais moment? Bah oui. Évidemment. Oh, du coup, attends, mais c'était... Écoute, ah, d'accord. Sûrement, c'est plus simple là-dessus. Ce qui est un peu con. Bon, on va arrêter ça. On va se tirer de là. Hein. Et puis, pour la vidéo Battlefield, même si ça bug... Merde. Même si ça bug et que je prends beaucoup plus de temps à les mettre en ligne, je peux pas continuer le jeu comme ça, c'est insupportable. Et puis pour les autres vidéos, ce sera la même chose. Bon, et puis après, je vous dis si ma voix devient tout d'un coup plus, plus basse ou si d'un coup elle redevient plus forte, parce que j'ai vraiment pas l'habitude de commenter. Aucun respect, je te bute que au bouclier. Même pas le temps de réagir. Oh là là, le bon cheval qu'il me faudrait là. Ouais, bah ça va pas le faire. Ah oh, putain, en plus, elle est juste en haut. Ce serait trop calé, un cheval. Allez, 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 allez. You can do that. Allez, Medila, you can do that. Vas-y, bro. Vas-y. Tu peux le faire. On est tous avec toi. Les 3 abonnés que j'ai sont avec toi. Vas-y. Saute. Utilise tes jambes. Je sais même pas si un wool, ça changerait quelque chose. Oui, vous voyez, elle est forte quand même. Hein. Là, si je reste coincé juste là, je... Sauf que je restais coincé juste là. Comme une sale merde. Allez, allez, monte, 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 monte. Je suis en train de mitrailler mon bouton. Ah, peut-être pouvoir monter par là. Non. Putain, il est juste là le truc. Mais t'es pas capable de monter une montagne sérieux comme ça là. Je veux dire, tu bouges ton cul et après tu montes. Regardez, elle est juste là. Elle est juste là, la grotte. Bon. Je vais passer ce passage, je vais essayer de monter. Et on se retrouve juste après. Salut. Voilà. Re. Bon, j'ai enfin trouvé. Plutôt cool. Pas chier. Voilà. Ça m'a pris quand même 400 minutes. J'ai essayé comme un débile de monter. Donc j'ai fait tout le tour de la montagne. Voilà. Pour pouvoir faire ça, alors qu'en fait demain je serais parti là, j'aurais fait ça et puis ça aurait été 4 fois plus simple, mais je sens que je vais encore me retrouver bloqué, mais c'est pas grave puisqu'on prend le plaisir d'être sur Skyrim, ça ça vaut tout. Voilà, donc je me guéris pour me redonner de la vigueur. Une compétence qui est facile à avoir. Je vais regarder ça, même si bon, c'est la faute, mais c'est oui, bah, c'est celle-là. Je crois que c'est voilà, c'est à 40. Répit. Fastoche. Trop fastoche. Voilà, on y est, les amis. Et en plus, on n'a même pas besoin de déjà se quitter. C'est magnifique. Si vous savez quoi, on va... Oh non, si je fais ça. Si tu fais ça. Si tu fais ça, Gabriel. Non. Non. Voilà. Voilà. Donc, je vais sauvegarder ici. J'ai découvert, donc c'est parfait. Je vais pouvoir aller...
aller chez moi, je vais me mettre en tenue de demain pour vous montrer un petit peu comment je me débrouille. Je me débrouille un petit peu moins bien, même si j'ai une arme qui, d'après moi, est la meilleure arme du jeu. Donc en épée, la meilleure arme du jeu, je dirais que c'est celle que j'ai, l'épée de miracle. Et la deuxième, en fait, dans un seul DLC Dragonborn, ils ont réussi à faire que des meilleures armes du jeu. En fait. Le meilleur enchantement du jeu, je peux vous le montrer, je sais pas si je l'ai sur moi, mais c'est un enchantement de chaos, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc au début, c'est 25. Donc 50% de chance pour chaque élément de feu, de glace et de foudre d'infliger 25 points de dégâts. Ça, c'est le truc normal. Mais bon, comme je suis abusé en alchimie, en enchantement, ça arrive à 48. Donc je vous dis pas, une fois que j'aurai enchanté les épées de lame, je vous dis pas, elles sont encore plus puissantes que l'épée de miracle qui ne peut pas merde quelconque. J'ai utilisé un truc magistral pour l'épée de miracle qui n'est même pas une insignifiante. Bon, et ben on va s'arrêter là. Je vais vous dire, je vais sauvegarder. Je sais pas si j'ai déjà sauvegardé, c'est pas grave, c'est pas grave. Don't stress non plus à la famille, les amis. Bordel, c'est... Eh oui, j'avais déjà sauvegardé. Donc voilà, vous avez pu voir 77 ans. Voilà. Bon. Et ben, vous savez quoi? Je vais vous dire, c'est les gens, à plus, et puis la prochaine vidéo sera sûrement une vidéo de Battlefield avant de reprendre les vidéos de Skyrim. Dites-moi tout sur les différences. Bah, de toute façon, je verrai s'il y a des problèmes de voix, etc. Mais pour le reste, dites-moi. Bon, voilà. Alors, je vous dis salut à tous, les gens. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Si vous regardez ça.